revient sur nos principes. Là, vous avez pu le voir en opposition. C'est dur parce que parfois, alors là, on peut vraiment se poser la question. Souvent, on snatch derrière pour mettre une pression, pour amener le gars, pour le faire réagir. Le snatch fort, boum, souvent il revient. C'est là où je vais descendre. Mais c'est vrai que nous, étant déjà pas hyper investis dans notre lutte, c'est-à-dire un petit peu, genre, mon petit postérieur derrière, et je suis là, genre, je le contrôle, c'est dur d'aller sur de l'action en action. Là, ce qu'on va tenter de bosser sur la semaine à venir, la tête, oui, mais que si j'ai une action réaction directe après. D'accord? Sinon, on met au niveau épaule. D'accord? Que vous ayez ce moment-là. Pourquoi? Ce qu'on disait il y a quelques instants. Là, j'ai un point dur. Donc, je dois jouer à déstructurer un gars solide comme Moumou, dur. D'accord? On est d'accord que si je fais du silat, là, je pourrais faire un truc parce que je déstructure la colonne. Mais même quand on est en train de faire ça un peu vénère, on se rend compte que ça marche pas à genre je frappe juste et ça part. Donc ici, point dur, comment? En gros, j'ai pas 10 000 options. Parce que ce point dur, je dois le contraindre. Par contre, là, j'ai des options. Je peux tirer, ouais, je vais pousser, tirer, 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 pousser, pousser. Je peux vraiment avoir ce jeu-là. Donc j'ai plus un point dur où je suis en train de galérer. Je suis en train d'aller chercher dos ou bien sûr le triceps. Ce qui fait que là, pour moi, c'est intéressant parce que là, sois solide. Je vais essayer de l'emmener. Je galère, même si je suis là. Là, sois solide. Ce qui est logique. Je tourne autour de la structure dure. D'accord? S'il est là, solide, si je fais ça, bah, ça passe. S'il est là, solide avec la même structure, je galère, je pousse là, après ça vient. Ce qui me permet, moi, d'aller descendre et jouer. Donc, on tente, vous voyez ce que vous ressentez. Bien sûr, là, on sait que c'est réconfortant. J'ai un point dur, c'est comme si j'avais un point dur sur le kim, là, et je peux faire confiance. Là, ça glisse, ça bouge, ça peut partir. Je tiens moins fort, mais je peux assez facilement bouger mon bras, j'ai pas de grip qui m'embête. Et autre chose, ce qu'on a déjà vu les autres semaines, le mec a un contact, travaille, pose tes mains, fais comme tu veux. Voilà. Moi, mon objectif, c'est dès qu'il y a un changement sur mon point de contact, fais ce que tu veux, je descends moins. Dès qu'il y a le changement, genre moi je passe à l'intérieur. Dès que sur ma tête, j'ai pas la même pression que quand j'ai mis sur ma tête. Ça va à gauche, ça va à droite, ça part un peu, j'y vais. Le seul moment où je n'y vais pas, c'est quand ça pousse plus. Quand ça pousse plus, ça n'a aucun sens. Parce qu'au contraire, je dois être sur mes appuis au cas où. Mais tout le reste du temps, et là, moi c'est ce que je bossais, à chaque fois que vous étiez en train de travailler, dès que vous aviez une intention, c'est parfait. C'est-à-dire que le temps qu'il est en train de monter ses bras, moi je suis déjà en bas, mouvement complexe versus mouvement simple. Single leg, mouvement simple. Je suis là et je fais ça. Après c'est dit. Lui, qu'importe ce qu'il veut faire, alors je peux être collé tête, hein. Pardon. Je peux être collé tête, je peux être collé là. Qu'importe ce qu'il fait, là il voulait faire. Entre le temps qu'il fasse ça, et le moment que j'y aille, je peux bouger. Merci, je vais faire avec un lutteur. Là, quand lui il prend quelque chose, il commence à bouger un peu, je descends. Même avec un Simon qui est bon en lutte. Je dis pas que j'y arriverai à chaque fois, mais au moins je sais que pendant ce temps-là, il va pas me scroller. Au pire, il fait un step back ou un truc comme ça. Mais je me prends pas un poids dans la tête. Donc si je prends pas un poids dans la tête, qu'est-ce que je fais? Bah, je m'enlève. Alors oui, c'est fatigant, oui, ça va me demander du stamina, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand on est là, je suis connecté, je sais, il fera le train normalement. Je suis là, il a changé, bah, je suis déjà dans ses jambes, qu'importe ce qu'il est en train de commencer à faire, il n'est plus connecté à moi. Moi, trigger, réponse.
c'est le bouton, je sens plus, j'y vais. On fait ça simple et on tente d'être au niveau du dos la plupart du temps. Hop, c'est parti. Ok? Yes. Vous avez vu, je descends deux, je remonte vite une, parce qu'on évite d'emmener un mec au sol avec deux genoux au sol. Souvent, on se bloque nous-mêmes. On tente toujours de relever. Quand tu fais le low single, aussi, tu remontes. Non, le single, là, clairement. Quand je vais être là, je vais être là, ouais, non. Je vais quand même remonter ici. Je tente toujours dans la run. Ok? Allez, Jimmy.